C'est au tour de Marie-Chantal de nous faire découvrir ses goûts vestimentaires. Mon look, je le trouve trop pratique, c'est-à-dire un jean parce que c'est bien, un t-shirt parce qu'il le faut, c'est trop pratique. Ah, le côté pratique, on fourre tout et n'importe quoi sous ce terme. Pourtant, on peut être féminine avec une tenue pratique. Quand je porte une robe, je me sens un petit peu gauche dedans parce qu'il faut mettre des talons. Et comme je n'ai pas l'habitude des talons, on n'est pas synchro. Donc je pense qu'il faudrait que ce relooking m'apporte un juste équilibre pour que je puisse rebondir dans ce sens. Uno, dos, tres, cuatro. Avant l'expédition tenue parfaite, intéressons-nous au profil de Marie-Chantal. Ses épaules bien marquées sont plus larges que ses hanches et sa taille est peu dessinée. J'ai entre un V et un H. Ok, d'accord. Mais c'est un V. Si nos téléspectatrices s'inscrivent aussi dans un petit V, quelles pièces doivent-elles favoriser? Par rapport justement à ta tenue d'aujourd'hui, il faut éviter tout ce qui est un peu trop moulant en fait. Pourquoi? Ça fait un effet un peu royal con. Ton décolleté, ce qui est bien par rapport à ta poitrine justement, qui est en V, et ça met justement ta poitrine en valeur et tout ça. Donc, l'imprimé évite et puis de mettre trop lourd par rapport justement à ton âge. Là maintenant, il y en a certains. Donc, pareil pour les chaussures. Pas bon du tout, juste pas possible en fait. Par rapport à ta taille, que ce soit même la même teinte que la dominance en fait de ton vêtement pour allonger en fait ta silhouette. On va essayer quelque chose. Marie-Chantal affectionne les jeans, alors Tania lui propose ce modèle plus chic et ajusté à ses mensurations. C'est parti. Allez, je te remets ça. Bon essayage. Merci. À tout de suite. Marie-Chantal échappe à l'effet saucisson grâce à la coupe taille basse du jean. Son haut fluide dissimule son petit ventre. Ce deuxième haut convient aussi pour ce total look jean. La présence d'une fermeture à glissière permet d'ajuster à sa guise le décolleté. Pour apporter une touche supplémentaire de féminité, Tania et Marie-Chantal s'arrêtent sur cette paire de sandales à talons à chausser au quotidien. Je vais te faire essayer une compensée. Pareil, hein, pour tes tenues au quotidien. Une paire de compensées waouh qui allongera sa petite silhouette. Inversement, cette paire de compensées dorées est à éviter impérativement si vous êtes petite. Le talon n'est pas assez haut et cela tasse complètement son allure.